Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le vendredi 12 janvier 2024, 16h2, heure du Québec. Ça y est, la saison électorale aux États-Unis commence et commencée, On le sait, il y a des courses aux primaires, hein, qui a les débats qui ont été euh, déjà enclenchés depuis quelques semaines. Mais là, les premiers votes auront lieu lundi dans l'Iowa. Et Donald Trump, naturellement, est en avance partout. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Là. Donald Trump va être élu. C'est lui qui va être le représentant des, euh, des républicains. Ce qu'on ne sait pas, c'est si Biden va être encore là quand viendra le temps d'élection ou si on va s'en débarrasser avant la fin, euh, avant le début de cette campagne présidentielle. Donc... Euh, les premiers, comme je vous disais, les premiers votes, la candidate républicaine à la Maison-Blanche, Nikki Haley, même elle, devant son rival républicain, Ron DeSantis, Quelle erreur de Ron DeSantis d'être allé se présenter en 2000, ben pour 2024. Tout le monde lui avait dit « Attends, 2028, parce que tu vas te faire planter. » Et là, il passe pour un « loser ». Et quand tu es dans la politique, surtout américaine, tu ne peux pas te permettre d'être et de passer pour un « loser ». Nikki Haley, qui elle aussi pensait avoir une chance. Tout le monde rêvait que Donald Trump soit <laughs> inculpé avant le, début de l avant le début de la campagne présidentielle, avant l'élection, pour le disqualifier, mais ça n'arrivera pas. Et euh, il est en avance. Parce qu'on sait à quoi s'attendre avec Donald Trump, même si l'homme est plus grand que nature et aime se provoquer. Tout le monde se rappelle de la présidence de Donald Trump. Il n'y a pas eu de guerre. Tout le monde marchait des fesses serrées, tout le monde avait l'air de bien s'entendre malgré tout. On avait des scènes qui étaient assez spectaculaires et délicieuses, que ce soit entre Macron et euh, Donald Trump, hein, la bromance. S'entendait avec tout le monde. On a eu le moment avec Kim Jong-un. Tout était apaisé. Il y avait, tout était différent. On a démonisé Donald Trump. c'est incroyable, mais... Quand tu y penses, l'économie était extraordinaire, le coût de la vie était très, très bas, le taux de chômage était très, très... c'était un vrai taux de chômage bas. Là, Biden prétend que lui, son économie marche, mais c'est juste les emplois qui sont revenus après euh, la pandémie, là, quand il y a eu les lockdowns, les, con, les confinements, il a créé absolument rien. L'économie de Biden, c'est un désastre, une inflation record, c'est le prix de l'essence record, le prix des maisons record, le prix des loyers record. Des baisses de salaire, de l'inflation, de l'impression d'argent. Les, les Américains ils sont pas contents de cette économie-là. Il n'y a rien de positif là-dedans. Des guerres, des guerres, des guerres, et des guerres, et des guerres. Ça faisait pas euh, un instant que Biden était à la Maison-Blanche, euh, sacré président, que tu te retrouvais avec une guerre sur les épaules déjà en Europe. Puis tous les autres conflits qui commençaient à... Tu le sentais à net donc. La candidate républicaine à la Maison-Blanche, Nikki Haley, devance de 7 points son rival républicain, Ron DeSantis, selon un sondage réalisé auprès des participants probables au caucus de l'Iowa, publié quelques jours avant la première élection présidentielle. Lundi, Haley a obtenu le soutien de 20% des participants probables au caucus du sondage. Mais ça, c'est la candidate de l'establishment, c'est la candidate du deep state. Pro-guerre, 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 pro tout ce que les républicains et les démocrates de l'establishment aiment, tout ce que le Deep State, deep state aime. Donc, Nikki Haley, c'est du blanc bonnet, bonnet blanc avec Biden et avec les autres présidents. L'ancien président Donald Trump maintient sa position dominante dans le sondage avec 54 des participants probables au caucus qui le soutiennent. Aucun autre candidat n'a dépassé les deux chiffres. Haley et DeSantis se sont affrontés durement avant d'entrer dans l'Iowa où les sondages ont montré qu'ils se battent pour la deuxième place. Haley, l'ancien gouverneur de la Caroline du Sud, qui a été ambassadeur aux Nations Unies pour Donald Trump pendant deux ans, a affronté DeSantis lors d'un débat en tête-à-tête tête mercredi soir à Des Moines, le dernier débat avant le caucus de lundi. Au cours du débat, DeSantis a défendu son bilan en tant que gouverneur de Floride tout en attaquant Haley sur une myriade de questions, cherchant à émousser son élan lors de la primaire. Les deux euh, se sont affrontés sur des questions telles que l'avortement, la politique étrangère, les dépenses, blablabla, bla bla, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Donc, Donald Trump. On sait à quoi s'attendre, on sait ça va être quoi sa présidence. Et il l'a dit, moi je veux pas une présidence de vengeance, je veux une présidence de succès. Pendant ce temps-là, il y a un délire total concernant la probabilité que Donald Trump se fasse réélu, se fasse réélire, Donald Trump va être élu, à moins d'une grande surprise. Whoopi Goldberg, l'animatrice ou la co-animatrice de, de The View, affirme que Trump arrêterait very disparate the journalists and the homosexuals is completely délirant. Du quoi. Forward, or you either you want it to work forward thinking, you want everybody to have the ability to say how they feel, what they want, to move forward, or you don't. Or you want somebody who says, I'm gonna be on day one, I'm gonna be a dictator. « Who says it to you, tells you, I'm going to put you people away, I'm going to take all the journalists, I'm going to take all the gay folks, I'm going to move you all around and disappear you. <laughs> That's the country you... »« And disappear you », elle n'est même pas capable de s'exprimer en anglais, en plus. Whoopi Goldberg a été obligé de changer son nom pour connaître une carrière euh, mitigée, là, qui n'a même pas été acceptée par son groupe de gauchistes à la télévision. C'est tellement du n'importe quoi, c'est du délire. Whoopi Goldberg, franchement, la co-animatrice de The View a averti, dit ses collègues et co-animatrice et le public, de ne pas voter pour l'ancien président euh, Donald Trump. Parce qu'il ferait disparaître les journalistes et les... Voyons, donc, c'est tellement du n'importe quoi. C'est du délire total. Tu même Michel Obama qui est là à dire, mon Dieu, notre pays est en danger, puis euh, on ne dort pas la nuit. Puis, Franchement, on a eu quatre ans de Donald Trump, on sait à quoi s'attendre. A... C'est pas lui qui s'est mis à attaquer ses opposants comme Biden le fait et les démocrates le font. C'est pas lui qui s'est mis à emprisonner les gens pour du n'importe quoi, à envoyer le FBI parce que des parents posaient des questions dans des assemblées scolaires. Voyons, donc, c'est tellement... On sait à quoi s'attendre avec Donald Trump. Tu sais que tu vas des fois sauter de ton siège parce qu'il va t'envoyer un tweet, il va être méchant, là. Mais c'est quelqu'un de complètement... À l'opposé de ce qu'on veut nous faire avaler. Lui, il n'est pas parti après Hillary Clinton quand il a été élu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que Biden est arrivé, ils sont partis après Donald Trump. Puis il est inondé de, 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 de poursuites et de poursuites et de poursuites et d'incriminations. Il passe son temps dans, la, dans, dans des cours. si c'est du harcèlement. Là. Ça, c'est digne d'une république de bananes. Euh, Michel Obama qui dit qu'elle ne peut pas dormir. Franchement, on le sait quest ce qu'on a eu avec Donald Trump. Il n'y a rien eu. De... Il n'y a pas eu de guerre. L'économie était très, très bonne. Tout allait bien. Mais c'est vrai qu'il y avait des petits tweets méchants de fois de temps à autre. Mais franchement, mis à part ça, là, je veux dire une chose, il y a pas mal plus de danger avec les globalistes, les mondialistes qui sont en train de nous envoyer directement, les autres, en enfer. Je vous laisse ça dans la boîte de description.